Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai une information pour vous. Et si vous me le permettez, cette information est doublée d'un conseil. Comme vous le savez certainement, Jean-Marie Bigard sera présent à la Jeunette Verte le 14 août de cette année. Je crois que tout Florac Trois-Rivières est au courant de ce spectacle. On voit des affiches partout. Ceci, c'était pour l'information. Et si vous n'étiez pas au courant, maintenant, vous l'êtes. La Jeunette Verte ne compte que 272 places. Mon conseil, c'est d'aller dès maintenant réserver vos places. Ce n'est pas encore la saison touristique et nos chers vacanciers vont se ruer sur ce petit nombre de places. Pour eux, l'occasion sera trop belle. Ce serait dommage que les habitants de Florac, Trois-Rivières et des alentours ne bénéficient pas de ce spectacle. Allez donc, dès maintenant, réservez vos places à l'office de tourisme. Bon spectacle, à bientôt. Ciao, ciao! C'est mon premier One Woman Show! La salle de bain, c'est... C'est nous. Bah alors. Et non, ça n'est pas le bordel, non. On croit que c'est le bordel. Mais c'est un atelier d'artistes. Allez. Vous avez été gentils. Je vous emmène au supermarché. Rayon fruits et légumes. Là, j'aimerais bien savoir. C'est qui le pervers qui a inventé les sacs qui s'ouvrent pas? À mon avis, d'ailleurs, ça doit être le même gars qui s'amuse à glisser des pistaches fermées dans les petits sacs. Et là, tu te ruines les ongles, tu veux absolument les bouffer, toi, hein? Ça, bon, il y a un moment où tu t'énerves, tu veux. Là, elle est en charpie dans ta bouche. Elle finit dans le cendrier, mais t'en as rien à branler, y'a personne d'autre qui va la bouffer. C'est quoi, les hommes, votre problème avec la sodomie? Eh ben oui, parce qu'il y a un moment, faut qu'on en parle quand même de ça. Je dis pas une fois de temps en temps, hein, quand c'est bien préparé, pourquoi pas? Mais je dis bien, c'est moi, c'est pour moi, c'est cadeau. Je dis bien une fois de temps en temps, hein, ma rondelle ne fait pas le printemps, ok? Je vais voir, moi, tous les ans, régulièrement, mon urologue proctologue, hein, qui me fait un TR. Hein, un TR, touché rectal. Ah oui, mais comme tu comprends rien, bah, je sais. Au début, quand tu sais pas ce que ça veut dire TR, ça fait assez classe. Tu vois, tu dis, les gars, je pourrais pas venir au golf avec vous vendredi parce que j'ai un TR. Hein, sauf que là, c'est pas 18 trous, c'est un seul trou, le tien. Et puis en plus, c'est pas long, hein, c'est 10 secondes maximum, hein, c'est médical. Méfiez-vous, si ça dure plus de 30 secondes, ça peut être amical, hein, méfiez-vous.